Bon ben là je peux vous certifier que c'est ça. Il est encore en vie uniquement parce qu'il a pas voulu capituler alors qu'il n'y a plus de bâtiment. Il reste quelques unités, donc il se dit ah bah je vais survivre, mais parce que son score n'évolue plus. Donc si son score n'évolue plus, c'est dire qu'il produit ni unité ni récolte de ressources. Donc à partir de ce moment là c'est mort quoi pour lui. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, on va prévoir ma forteresse ici. Non, mais ils ont encore gagné des ressources. Ils ont tué aucune de mes troupes, mais ils en ont regagné. Eh, c'est un coup à devenir fou, ça, sincèrement. Bon. Et il me reste ça. D'accord. Oui. À savoir par où il est sorti. Bon, c'est pas grave. À partir du moment qu'on sait que l'adversaire n'a plus rien, c'est plus un problème, quoi. Là, ce qui va être... Autant amener ça... la charrette à Jérusalem, ça va. Le problème, ça va... Ce qui va nous être posé... C'est qu'on a entre... Jérusalem et la charrette... Saladin. On peut essayer de passer à gauche. On rase ici, on va tout de suite tout droit là. Le problème, c'est que côté gauche Jérusalem, il y a une forteresse qui va nous bloquer. Le meilleur endroit étant de passer par ici. C'est hors de portée, mais bon, je me suis trompé, encore une fois. Voilà, vous êtes content, j'ai fait le trou dans le mur. Voilà. Dernière unité quoi. Le château est à gauche au courant.
Il y en a trois qui le suivent, ceux de gauche. Faut pas qu'ils le suivent tous. Cool. Ce qui me rend fou, c'est que mes unités parfois sont débiles à souhait. C'est affreux. La preuve là. Ouais, il faut qu'il fasse un massacre de la, au milieu. Ah oui. Damas est bien mort, donc on en est sûr. Pas attaquer par un autre axe, donc je suis obligé de passer par là. Je peux pas attaquer par un autre axe ce château. Pour ceux qui me disent t'as qu'à torpiller, c'est une mauvaise idée. Et Jérusalem, je crois qu'ils ont 3 ou 4 moines répartis par ci par là. 1, 2, 3, voilà, ils ont 3 moines. Sinon, ils ont rien de bien inquiétant. Et pour ceux qui reconnaissent, c'est une partie de Jérusalem, on l'a déjà vu dans la mission de Jérusalem, on a déjà vu la grande ville entièrement. Et c'est que la partie du nord de la ville qu'on a. Pour ce qui est pas la question, référence à la campagne de Saladin. Le château a quand même bien été touché. Ce qui est un excellent point en soi, le fait que j'ai bien endommagé le château, c'est excellent. Enfin, excellent. Bien que le répare, c'était sûr. Je vais être sur le physique, c'était sûr. Alors, on reconstruit encore. Alors, à droite, ils ont. Ouais, gore. Ils ont qu'un seul forum, donc. Donc la majorité de leur production est à droite. Le château est uniquement à gauche. Il pourrait être intéressant de faire des chevaliers teutoniques. Mais ils ont beaucoup de troupes de distance, quoi. Ils ont beaucoup. Je fais pas bien parce qu'au moins ils sont rapides, ils peuvent facilement rattraper les unités de tir à distance. Les unités de tir de manière générale. Mais c'est peut-être une erreur de ma part. Donc, comme je vous disais, je vous déconseille de passer par ici. Même si les défenses sont moins lourdes, vous devrez démolir le château, démolir la tour en bombarde. Et une fois ça démoli, vous devrez encore affronter les tours au milieu. Moi je vous conseille plutôt de passer par ici. Vous démolissez la tour là. Les deux tours ici qui sont toujours obligés à détruire. Celle-ci, si vous voulez, mais normalement c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous faites un trou là. Et vous pouvez directement amener ici sans avoir de problème. Enfin, en ayant moins de problèmes plutôt. On va faire des chevaliers teutoniques, hein, on va voir ce que ça peut donner. Qui sait, c'est peut-être une bonne idée. Hein. Ok, en soi, moi je vais essayer de limiter le déplacement des troupes adverses au maximum et qu'ils soient obligés de passer par le château. Voilà, là les palissades sont en train de construire. Après, on pourrait peut-être faire des troupes de missiles. Ça peut être aussi une bonne idée. Enfin, des troupes, excusez-moi, de missiles. Des troupes de tir. L'avantage, c'est que ça permettrait de facilement abattre ça.
Bon. De toute façon, nous, notre objectif, c'est simple, c'est de démolir ces villageois. Enfin, démolir son économie. Ici, faut que j'arrive à le démolir assez vite, cet endroit-là. Parce que ce qui est dérangeant, c'est étant donné qu'il y a énormément de pavillons, j'avais totalement oublié que quand des mauvais sont ces murs-là, on arrivait ici. Ben, ça bloque un peu ma manœuvrabilité de mes troupes, ce qui est un peu dérangeant en soi. La démolition de tout ça me rendra la chose un peu plus facile. On me dit... Ah d'accord, parce qu'il attaque lui, d'accord, oui, je t'explique. Hein. Voilà. Et là par contre je vais faire ma dernière recherche ici que j'ai toujours pas fait la fois. Voilà donc ici on va envoyer un petit nombre de paladins là. Et bon, on va en garder un petit nombre pour le forum. Le forum n'a pas beaucoup, donc... Le carnage devrait être plutôt rapide, mais bon, on sait jamais. Il n'y a que cette porte-là, mais elle est verrouillée, donc Jérusalem risque pas de sortir tant que les portes sont verrouillées. Et étant donné qu'ils n'ont pas de ressources, ils fabriquent pas de troupes pour nous déranger avec ça. Ce qui est important, c'est vraiment détruire tous les villageois. Plus de villageois, plus de construction de troupes, plus de construction, plus de construction de bâtiments. C'est-à-dire que les destructions de bâtiments seront définitives. C'est ça l'importance en fait de toujours chasser tous les villageois. C'est que derrière, on aura plus après le problème. Ils ont plus de villageois. Je crois qu'on peut voir le prix ici. 200, ouais. On peut voir le prix ici, en fait. 200 par villageois. Non. Si, je crois. Coûte 200 par villageois. Je crois que ça coûte. Bon, j'ai tout perdu. Ouais. Mon assaut, si après on regarde, est peut-être un gros fiasco, mais en soi, j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre. Tuer tous les villageois. Ils ont en compas. Ah, ils en ont encore un. Ils en ont encore un. Oui, pourquoi il apparaît. Pourquoi il apparaît pas sur la carte ce villageois? On est d'accord, il apparaît pas sur la carte ce villageois. Regardez, si je m'en. En économie. Moi j'ai mon truc de frappe. Enfin, mon. Meris Action qui est dessus qui m'empêche de voir, mais en économie. Y'a rien qui s'affiche, gars, pour l'ennemi. Ils le mettent en militaire. C'est quoi cette... Bits. Or ici, y'a vraiment rien. Bon bah, on va devoir fouiller, hein. Les moines, y'en a plein là en bas. Bon, ça a l'air d'être bon. On va dire que c'est bon, là, parce que... on va jamais s'en sortir. Mes chars de commerce me fournissent que peu d'économies en or qu'il me faut. En faudrait bien plus, mais bon, on va s'en contenter. Et si on regarde un peu ce qu'ils ont... unité de troupes à distance, d'accord, reste un camp de tir à l'arc. Une fois que j'aurai détruit le château, ils auront plus trop de mamouk à faire, donc ça sera déjà plus tranquille. Donc le château, le camp de tir à l'arc en priorité.
Les ateliers de siège, on s'en fiche, c'est tout le plus simple, et la cavalerie s'en occupera très bien tout seul. Les monastères, ils en ont combien? Deux. Je vais acheter un peu de ça, on va vendre un peu de ça, on va acheter un peu de pierre. Alors, vous allez tout de suite comprendre. Ah non, je vais pas y faire tout de suite, on va attendre un peu. Mais le but est de faire des tours pour donc là ça va être important de détruire ça, mais le but c'est de faire des tours pour détruire les pour attaquer les troupes qui est un peu autour et harceler et les obliger surtout à contourner tout pour passer par un forteresse. Si jamais des tours les attaquent, je sais qu'ils passeront qu'ils seront obligés de faire ça en fait. C'est l'habitude de jouer en fait au jeu qui fait que à force de jouer contre l'IA, on sait comment il réagit, et même dans le cas où il réagirait pas comme ça, j'aurais bien aimé qu'il m'attaque plutôt, j'aurais bien aimé qu'ils attaquent en fait les trébuchets. Si j'arrive vraiment à détruire là, le château, ils auront vraiment plus rien à vraiment m'opposer contre ma cavalerie. Le château, je vous rappelle, c'est toujours le même souci à chaque fois. Le château étant l'arme suprême permettant de déployer les unités suprêmes des factions, enfin les unités spécifiques, plutôt devrais-je dire, pas forcément les meilleurs. Donc moi les chevaliers teutoniques, eux c'est les mamelouks, et le perse avant c'était les d'autres unités. Donc la destruction des châteaux me permettra de me soulager de cette menace là, car je vous rappelle que leur unité d'accord, Damas voudra jamais se rendre, je sais pas pourquoi, donc ça sert à rien que je cherche. Ça c'est fait. Dernier bâtiment pour produire des unités à distance. Autre que les armes de siège, donc c'est vraiment des troupes à distance. Je considère les armes de siège comme indépendantes des unités à distance, même si les armes de siège de corps à corps et de distance, bélier ou par exemple catapulte par exemple. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici je vais reconstruire encore une salve de cavalerie. Toujours plus de cavalerie, je sais. C'est le dernier. La dernière. Là ça va être. C'est vraiment le dernier à chaque fois que je détruis. Et c'est sa dernière écurie, donc la dernière fois qu'il pourra faire des chameliers. Donc des unités à chameau. Que je vous rappelle, l'un des bonus, enfin l'une des recherches uniques que peut faire Essarazin, c'est rajouter plus 30 PV à toutes leurs unités de chameau. Donc si je peux éradiquer tout ce qui permet de fabriquer des chameaux, ça m'enlève un bon poids du pied. Les onacs de siège, on va les raser. Voilà, lui, il s'est coincé dans un angle, donc c'est parfait.
Me demande pas pourquoi il y a un archer de cavalerie en plein milieu, je n'en ai aucune idée. Raser maintenant les monastères qui restent, sinon ça va pas. Enfin, essayer de raser. Ah, le bleu, il est en train d'essayer de me convertir. Bon, d'accord, je pourrais bien y arriver. Mais bon. Alors, pour ceux qui se posent une question, ce qui se passe là, c'est étant donné que l'ennemi ne peut plus produire d'unité, son armée est en train vraiment de se désagréger petit à petit. Quoi. De toute façon, c'est ce qui se passe. Quand vous n'avez pas de quoi produire, ben, vous perdez petit à petit vos troupes. Et... Même si vous avez une économie infinie, vous perdez petit à petit quand même des bâtiments de production. Et les bâtiments de production, vous ne pouvez pas en reconstruire. Donc, même dans le cas où vous avez que l'IA tricherait au point d'avoir des ressources infinies, ben, vous perdriez. Enfin, la personne dans la situation même, c'est-à-dire son infini, perdrait. Parce qu'elle ne peut pas compenser, elle peut pas compenser les bâtiments de production perdus. Par exemple, si vous avez beau avoir autant de casernes, si vous en perdez une ou deux, ben, l'adversaire, lui, peut enfoncer ce qu'il a dû avoir, pas vous. Ni plus ni moins, quoi. Voilà. J'avais oublié que les... Ah, il se trimballe là-bas, le dernier. Ici, on s'en fiche. Bah, là, on peut envoyer mes troupes ici. Ah, je vais pas tout construire ce que je veux. Ça va bientôt être bon. Voilà. Là, on va commencer à raser les murs. Ils ont 4 moines. Une fois les 4 moines tués, ben, ils peuvent plus rien me capturer. Ils ont aucune ressource, donc Jérusalem ne pourra m'embêtera pas avec une histoire. Ben, il t'a sorti des troupes, il a fait ceci ou cela. Ben, il peut pas. Voilà. Là, maintenant, je vais rentrer dans la ville. Enfin, donc ici on pète les murs et maintenant on peut avancer. C'est pas les tours incendiaires, non, c'est bon. Alors, vous avez posé la question pourquoi je parlais de tour incendiaire. Nous y sommes presque. Encore un petit effort. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a que dans certaines missions, il y a généralement, dans les campagnes ultérieures, ils ont tendance à mettre des tours incendiaires pour se protéger des bases. Tours incendiaires qui font ultra mal. Hein. Par contre, point de vue historique, je n'ai aucune idée si les troupes de. Si les croisés reprendront Jérusalem. Je ne crois pas. Ils en feront le siège, mais ne reprendront pas. La vraie question en fait qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui sera arrivé si jamais il aurait survécu à la troisième croisade. Mais bon, ça on ne saura jamais. L'empereur a atteint Jérusalem. Pas de la façon qu'il imaginait, mais c'est une victoire décisive pour Frédéric Barberousse. Et voilà, nous avons terminé.
Une légende dit, à propos de tous les grands rois, du roi Arthur à Marbrousse, que le roi retourne un jour là où son pays a besoin de lui. Les mythes et les légendes sur l'empereur endormi se sont transmis dans les contes populaires allemands. L'Empire romain chrétien n'a pas duré. Il s'est éclaté en une multitude de petites nations disparates. Certains diraient que l'Empire de Barbarousse fut un échec. Mais n'a-t-il pas laissé à l'homme un plus grand héritage en montrant que par la seule force de sa volonté, il a su maintenir l'Empire uni? Et qu'en est-il de Henri le Lion? Barbarousse disparu, plus rien ne pouvait l'empêcher de retourner dans l'Empire romain chrétien. Mais maintenant je suis âgé. Quel mal pourrais-je faire? Aga, le narrateur, c'était en fait son ancien vassal. Donc une unité tuée, perdue. Toc, 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 toc. Ouais, pierre, logique. Ils avaient quasiment tous les gisements de pierre. Profit. Je comprends d'où vient. On va vite faire les stats, hein. 39 villageois. Et c'est ainsi que nous venons de terminer la dernière campagne de la campagne des rois d'Age of Empires 2 HD. Je vous dis donc à une prochaine fois pour une autre vidéo, pour un autre walkthrough. Mais d'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.